Bonjour à tous, me revoici pour le Célindic, lisez-vous, afin de vous présenter mes lectures de la semaine dernière, ma lecture actuelle et ma lecture future. Tout d'abord, j'en profite pour juste annoncer que j'ai aussi une page Facebook pour la lecture, si ça vous intéresse. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo, et voilà, si vous voulez me rejoindre sur la page, ben, vous serez les bienvenus. Voilà pour la petite parenthèse. Donc alors, concernant ma lecture de la semaine dernière, donc j'ai terminé le livre qui était ma lecture en cours lors de la dernière vidéo, à savoir le fameux Désolation de Stephen King. Donc une bonne lecture dans l'ensemble. C'est pas mon préféré de Stephen King parce qu'il y a une petite chose qui m'a gênée à un moment, mais cependant j'ai beaucoup aimé la mythologie qui a été créée dans ce roman. En fait, c'est une mythologie... Ça se passe dans le désert du Nevada et il y a tout un univers créé par l'auteur à propos du désert, des créatures qui le peuplent, des entités, etc. J'ai beaucoup aimé les descriptions des lieux, notamment de la ville de Désolation, donc un peu dans le genre ville fantôme. J'ai trouvé que ça créait vraiment une atmosphère palpable et que les descriptions étaient vraiment bien. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi le récit en lui-même, c'était très sympa. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs vers le milieu, mais rien de dramatique. La toute fin, le dénouement m'a beaucoup plu. Voilà, puis le style de Stephen King est très agréable. Ses personnages sont bien construits, fouillés, etc. Son intrigue aussi. Les scènes d'épouvante ne sont pas les plus effrayantes que j'ai vues dans ses livres, mais elles sont quand même bien. J'ai beaucoup aimé le personnage du policier donc qui apparaît dès le début du roman et qui devient un peu l'un des personnages principaux. Donc c'est un personnage très violent, très cruel, qui vraiment m'a fait une forte impression. Je pense que c'était mon préféré du roman. Par contre, le seul truc qui m'a un peu dérangé à un moment, c'est que j'ai trouvé que l'auteur se complaisait un tout petit peu sur l'un de ses personnages, à savoir celui de David, qui est un enfant de 11 ans, qui est... en quelque sorte touché par Dieu. En fait, il est un peu mystique, voilà, il a rencontré Dieu, comme qu'il dirait, et j'ai trouvé que l'auteur avait tendance à vraiment beaucoup l'idéaliser, à lui donner toutes les qualités du monde, sensible, courageux, intelligent, voilà, tout ce que vous voulez, et donc c'est un enfant qui est entouré uniquement d'adultes, et tous les adultes sont limite à genoux devant lui, en train de l'admirer comme si c'était le messie, quoi. Alors bon, c'est vrai qu'il a des capacités assez exceptionnelles, mais j'ai trouvé que c'était trop... Ça tombait un peu dans le bon sentiment, en fait. C'était... Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, le personnage de David faisait tellement petit enfant modèle que tout le monde adore, qu'au bout d'un moment, on avait un peu envie de lui taper dessus, quoi. Moi, c'est l'impression que ça m'a fait. Donc voilà, c'est le petit bémol que j'ai eu sur ce personnage-là. Mais sinon, j'ai passé un bon moment de lecture avec Désolation. Voilà, alors concernant ma lecture en cours, c'est celle que je vous annonçais la semaine dernière, à savoir Le Monde Perdu de Michael Crichton, qui est donc la suite du Parc Jurassique. Alors j'en suis encore au début, parce que j'ai vraiment pas beaucoup lu la semaine dernière, j'avance un petit peu doucement en ce moment. Ce week-end j'ai pas lu une seule page, donc voilà. Mais cependant le début me plaît beaucoup, donc là j'en suis à la page 93, et pour l'instant ça démarre vraiment bien. Donc je peux pas encore trop vous en dire sur l'histoire, d'autant que si je le fais, je risque de vous spoiler sur le tome 1. Mais pour l'instant, ça se présente de façon très positive. Et ce que j'aime beaucoup avec les romans de Michael Crichton, donc celui-là c'est le troisième que je lis, c'est qu'on sent que l'auteur a vraiment envie de nous faire partager des connaissances. Il y a beaucoup de passages avec des explications un peu scientifiques sur pas mal de sujets. Et c'est très bien expliqué, c'est-à-dire que même quand c'est des sujets assez complexes comme la théorie du chaos, la génétique ou des choses comme ça, qui sont un peu ses domaines de prédilection dans les Jurassic Park, c'est quand même très bien expliqué, très accessible, et je trouve que l'auteur a vraiment un talent pour nous intéresser à ses passions, à la science, à tous ces sujets-là, et c'est très agréable. Donc voilà, je vous en reparle la semaine prochaine. Et concernant ce que je lirai après, donc si j'ai fini Le Monde Perdu, vu que là, vu la vitesse à laquelle je lis, voilà, il est possible que je me lance dans une des toutes dernières arrivées dans ma palle, puisque la semaine dernière c'était mon anniversaire et mes parents m'ont offert un livre très bizarre d'ailleurs, donc comme il m'intrigue pas mal, je vais peut-être me pencher sur celui-ci. Donc c'est
La maison des feuilles. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Ah, là, on voit un petit peu. Donc, le petit décor de toile d'araignée. Donc, La maison des feuilles de Marc Z. Danielewski. Et c'est aux éditions de Noël, dans la collection de Noël et d'ailleurs. Donc, un très gros livre qui vient tout juste de sortir. Je crois qu'il est sorti ce mois-ci ou le mois dernier en France. Et alors, il est très très bizarre, puisque je vais vous montrer un peu comme ça des choses. Donc voilà par exemple un exemple de page. Attendez, hop, je vais tenir correctement. Donc on a des mises en page qui sont très bizarres à chaque fois. Donc je vous en montre quelques-unes. Donc là on a un truc un peu en verset. Je ne sais pas trop comment dire ça. J'ai un peu oublié mes termes techniques de français. Hop. Voilà, là on a encore une page où c'est écrit dans tous les sens. Donc vous avez à l'horizontale, en petit carré, un peu n'importe comment. Là il y a des pages avec presque pas de mots. Et puis il y a des pages qui au contraire sont très très remplies. Alors attendez, est-ce que je vous en trouve une? Voilà, là c'est une page un petit peu plus normale. Et donc voilà, pendant tout le roman c'est que des mises en page complètement abracadabrantes. Et donc apparemment c'est un livre qui à la base a été publié sur internet et qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Donc ça a l'air assez intriguant. Visiblement c'est de l'épouvante. Ça parle d'une maison hantée apparemment. Parce que si j'ai bien compris la quatrième de couverture, on va suivre un personnage qui s'appelle Johnny et qui explique comment il a trouvé un mystérieux manuscrit à la mort d'un vieil homme aveugle, décidé de le mettre en forme et de l'annoter de façon très personnelle. Et donc c'est un texte qui parle d'un film en fait, le Navidson Record, réalisé par Will Navidson, un photoreporter qui vient d'emménager dans sa famille dans une maison, filme son installation et qui le film de son installation dans sa maison va se trouver confronté à des phénomènes paranormaux apparemment, et visiblement des trucs assez effrayants puisqu'il semblerait que ce soit vraiment un roman d'épouvante, horreur, vraiment très sombre. Vraiment de maison hantée sérieuse quoi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les histoires de maison hantée. Et en plus, il y a pas très longtemps au cinéma, j'ai vu Conjuring, les dossiers Warren, qui est un peu qui parle un peu de maison hantée aussi. Donc voilà, ça va me remettre dans l'ambiance. Et puis ouais, la mise en page est tellement étrange que ça m'intrigue vachement quoi. Donc voilà, ce sera peut-être ma prochaine lecture. Voilà, et je termine avec une autre arrivée dans ma pile qui n'est pas un achat, puisqu'en fait c'est un livre que j'ai récupéré dans la bibliothèque de mes parents, comme beaucoup de livres de ma pile d'ailleurs. Donc un classique de la science-fiction, Dune de Frank Herbert. Donc ici c'est le premier tome, dans une ancienne édition avec les pages jaunes, donc c'est chez Press Pocket. Et voilà, mon père, donc c'est une saga qui appartient à mon père, qui m'a dit que c'était vraiment très bien, qu'il fallait que je le lise et tout et tout. Jusqu'à maintenant j'avais pas osé parce que je suis pas très branchée science-fiction à la base, mais j'en ai réentendu parler récemment et les gens ont l'air de dire que c'est vraiment super bien. Donc voilà, j'ai envie de tester le premier tome, donc je le lirai pas forcément tout de suite, mais en tout cas il est dans ma palle. Et puis voilà. Donc c'est tout pour ce lundi, que lisez-vous. J'espère que vous avez de bonnes lectures de votre côté. J'espère que de mon côté je vais accélérer un peu le rythme pour pouvoir vous montrer plus de choses. Enfin bon là ça va parce qu'il y avait des arrivées dans ma palette etc. Mais bon, j'espère avoir fini Le Monde Perdu quand même la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt. Salut.